Bien salut à tous, c'est Superflo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo d'horreur sur Appartement 1406. On est sur une bêta, une démo plutôt, excusez-moi. C'est le jeu, il est sorti le 24 août 2023. On va tester ça ensemble, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un maximum de pouces bleus. Si ce genre de contenu vous plaît, je risque de faire un peu plus de vidéos dessus, sur ce style de jeu ou d'autres jeux si ça vous intéresse. Comme d'habitude avec la petite webcam et tout, c'est une petite nouveauté, donc voilà, si ça vous intéresse, mettez un maximum de pouces bleus. Il risque d'avoir des jeux aussi d'horreur avec le VR un peu plus tard, donc voilà, bombardez-moi les pouces bleus et on démarre tout de suite le jeu. Les rêves peuvent survenir au moment les plus attendus. Et dans mon cas, cela s'est produit en même temps qu'un appel téléphonique du professeur Gabriel Blanc. J'ai baissé un peu le son pour éviter que ça soit trop fort. Faites attention à ce que vous souhaitez. Zut! J'espère que l'ascenseur fonctionne. C'est quoi? Mais... On dirait qu'il y croit pas en fait. Zut! Mince alors. Oh zut! Il y a des souris. Je pense qu'on va avoir peur. Oh là là. Par contre c'est stylé le fait qu'on voit un peu les gens et tout. Il y a pas un truc sur lui? Genre une caméra, non? Regardez, on dirait qu'il a des griffes. Vous avez vu? C'est bizarre. Je sais pas si vous voyez long. Regardez le visage. C'est un bug, je crois. Ah non, c'est un bug. Ok, c'est un bug. J'imagine que non. Montez à l'étage et retrouvez l'appartement. Ouais. Ah, je peux pas examiner. Ok. Y'a rien en fait. J'aime pas trop le bruit. Salut! Je me casse. Et abonnez-vous. Allez, bisous. En fait, je trouve ça bizarre, c'est sa démarche. En fait, on dirait un monstre. Vous voyez? En fait, il est. Je sais pas. Après, c'est peut-être le bug de la vue qu'on voit dans son. Franchement, on est sur une démo, comme je vous dis. Et je pense que je risque de acheter le jeu pour le faire parce que ça m'a l'air d'être intéressant. Je suis pas un fan de jeux d'horreur, hein, je vous le dis tout de suite. On voit des traces ou une tête. On dirait deux têtes. Un crâne, je sais pas. C'est glauque, hein. Ouais, c'est pas drôle, c'est ça, j'ai pas peur. En fait, la vision, c'est bizarre, on dirait une caméra. J'avais dit que j'avais pas peur. Vous croyez quand je dis que j'ai pas peur? What the fuck? Je sais pas, Je sens pas, à tous les coups on va avoir un gros truc qui va arriver, qui va spawn devant nous, vous savez, ce genre de choses. Qui fait peur. Ah, vu que j'en parlais, je suis en... Voilà, ça fait un peu moins peur, mais... Tu t'attends un peu. Ouais. J'ai pas confiance. Attends, mais il est où l'appartement en fait? Ah bah c'est là l'appartement. Comment on fait pour rentrer? Quoi? On trouve la clé auprès de quoi? Là en dessous. Ah, je flippe. Et j'ai des coups de frisson. Hein. Y'a quelqu'un?
C'est moi, Robert. Je viens ramener le café. Allez, on se casse. Oh putain. Bonjour. Au revoir. Non, je déconne. Du coup, faut que je rentre. Non, mais il y a la clé là-bas. Non, mais il va nous sauter sur la gueule. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais t'as vu de l'arnaque? Du coup, tu vas me dire, faut que je rentre là? On fait quoi, on rentre ou pas? Vous aurez fait quoi, vous, à ma place? 1, vous partez en courant. 2, vous courez et vous rentrez. Allez, je ferme les yeux, on y va. Je peux pas avancer? Attendez, quoi? Ah, je peux pas avancer. Il y a une douille quelque part, c'est pas possible. Ok. Il y a une douille quelque part, vous êtes d'accord? Pourquoi la lumière qui clignote en haut, ça veut dire occupé, c'est ça? En vrai, je comprends pas. Purée de merde. Oui, j'ai eu peur. Et à l'heure? Je le fais, c'est pour vous, ça. Donc, abonnez-vous. Et laissez un maximum de pouces bleus. Et il disait rétablir le courant, mais où? J'ai pas vu, en fait. Merde, mais vraiment? J'ai pas compris. Vous avez compris quelque chose, vous? Y'a pas une information? Alors, rétablissez l'électricité dans la pièce à l'aide du boîtier électronique situé à l'extérieur. Ah, à l'étage, il y avait un truc, je sais pas si vous avez vu au mur. En fait, il faut appuyer sur tab. Et je précise, le jeu, je sais pas s'il est disponible sur console. On est sur Steam, hein, bien sûr. Là, c'est là qu'il faut. Mais j'ai failli dire un gros mot, donc c'est pour ça que j'ai... Non mais je le sens pas. C'est un appartement, ça? Alors... Il y a un bruit derrière moi. Oh, la poupée qui te suit du regard. Regardez. Connard. Tu me fais pas peur, t'as un problème? Donne-moi le couteau. Je peux pas prendre le couteau? C'est de la merde, ça, quand même. Qu'est-ce que... Ouais, non. Je fais le malin, mais en fait, j'ai peur. Ah, mais il y a deux poupées en fait. Pourquoi il y a un couteau à côté? On peut pas le prendre. Ah, je vais têter ça. De toute façon, c'est juste des poupées. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils peuvent rien faire, les poupées. De toute façon, la clé, elle va servir pour la porte là-bas à tous les coups. Laissez-moi rentrer. À l'aide! Vraiment, c'est là donc qu'il voulait. Bonjour. 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 Ouais. Il parle des étagères, est-ce qu'il faut les cacher en dessous?
Je comprends pas, il parle de livres, mais... Où? Ah, les amis. Qui? Quoi? Ça? Ah, ah merde, reviens là toi. Une clé. Merde. Non, prendre. Une clé là-bas, tu veux pas y aller à ma place? Non. Ok, bah j'y vais. Pourquoi le seul endroit que je peux aller c'est dans les chiottes? Arrête, arrête, c'est pas drôle. Il y avait un truc sur la porte, on est d'accord? C'est pas drôle. Il y a quelqu'un sur les chiottes? Non. Quelqu'un? Pourquoi la porte elle a changé de couleur? Elle était pas blanche tout à l'heure la porte? Arrêtez, c'est vraiment pas drôle. Ouvre la porte. La porte est fermée, je dois retrouver trouver une clé. On va trouver la clé. J'ai compris, merde. C'est pas le moment de lire. Je flippe. Ok? On a perdu la chaise, mais pourquoi pas. C'est bizarre quand même, le personnage que tout à l'heure qu'on a joué, il disait « Oh, là je vous parie que l'ascenseur ne marche pas, hein. Hein. » Ouais, hein. Il avait peur tout à l'heure, mais... Ouais, il avait peur. Il a eu une grande gueule, mais... Hein, voilà, il parle moins. Mais pourquoi ils ont tous un couteau? Une ta gueule. Non, ça marche pas. Je serais coulé, c'est bon, je relève la chaise. C'est bon, ils savent pas rire. Par contre, ça je rigolais pas, je la prends avec moi. Ah, ça passe pas. Nickel. Ah, allez-y. C'est une chaise. Qu'est-ce que vous voulez faire, de toute façon? J'ai pas peur de vous. Vous me faites pas peur. Oh, ta gueule. Oh putain. Oh, une baignoire. Non, il y a quelqu'un qui va sortir de l'eau. C'est sûr à 1000%. Oui, mais demandez pas comment j'ai fait, j'ai réussi à faire rentrer la chaise. Oh, il y a une hache. Allez. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Allez. Sors de l'eau. Ouais, mais du coup, ça donne quoi? J'aime pas les bruits, les trucs qui respirent là. Ça me stresse. Pourquoi il y a une petite fille là dans les toilettes? Là, on la voit pas. T'as l'air, elle était sur les trônes, on est d'accord. Ouais, tu me stresses. Ok. On en parle que le personnage ressemble à rien du tout en fait. Allez, où lâche? Non, mais c'est le personnage qui fait plus peur, vous... on est d'accord. Je viens de bégayer, j'ai cru que la porte derrière moi était ouverte. Elle venait s'ouvrir. Dans ta gueule. Eh, je fais quoi maintenant? J'ai la hache. Merde. J'ai une hache. Bouton rouge. J'ai une hache. Non, on range pas la hache, t'es con toi. Malheureux. Ouais, comme par hasard, c'est verrouillé. Par contre, il y a un problème, c'est que on a la hache, mais si on s'accroupit, l'ombre, vous voyez, n'a plus la hache.
Vous savez me dire, c'est juste un détail, mais je trouve ça dommage. Ce genre de détail, c'est vraiment l'importance. Mais ils disent glisser pour déposer, mais comment tu fais? Glisser, déposer. Sélectionner l'objet. Ah, attendez. Ah, j'ai plus l'âge. J'ai l'âge. J'ai plus l'âge. Ah. Lâche, s'il te plaît, mon pote. Ouh, nickel. Déjà, c'est pas réaliste, il donne des coups de hache, mais on n'entend pas le bruit. C'est un peu dommage. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans le jeu qui y est pas. Allez, sors de l'eau. Ah, mais il y a un truc là. J'ai mauvais vu. Non, mais il va y avoir une. Il va avoir une dingue. Ah, je suis coincé. C'est quoi ça? Vous l'avez vu le type à droite? Moi je l'ai vu. Salut. Tu vas bien? Putain de porte de merde. Vas-y, j'ai une hache, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est les poupées, elles sont grandes! Putain de merde, pourquoi t'es tourné la tête, toi? T'as un problème, toi? Tu fais des 3-6? Pourquoi ils sont plus là, les poupées? Non, mais. What? Attendez, vous allez me dire que les petites poupées, c'est eux qui s'est transformé? Mais comment tu veux faire? En vrai, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais est-ce que. Il y a peut-être un moyen de faire. En fait, je comprends pas, c'est. Ah, Koubini. Ah, ok. Attendez. Ah, c'est bon. Ok, et. Dans le doute, il fallait toujours tester des trucs. Je sais pas toi. Mais genre les. La hache, on peut pas l'utiliser. On peut pas l'utiliser la hache là. C'est une blague, elle sert à rien la hache au final. On appuie sur le bouton, mais est-ce que ça fait quelque chose? Examiner, voilà. Non, c'est pas possible, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Trouver. Ah, mais il n'y a pas un truc genre. Attendez, on a mis le vert sur le cercle. On est d'accord, ça, on est. Ça là-dessus, on est d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Parce que je comprends pas. Ah. Il y a un bouton rouge. Et vous allez faire quoi? Oui, c'est moi qui ai volé votre goûter. Et à l'heure, abonnez-vous si tu voulais voir la suite de Appartement
1406. On se retrouvera très vite pour la suite de l'épisode. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai vraiment flippé et je pense que la suite serait vraiment terrifiante. Donc moi je vous dis à très vite et joyeux Halloween.